Des parents d'élèves et élus de villages ruraux mobilisés ce lundi contre les fermetures de classes dans leurs écoles. Les annonces ont été faites avant les vacances scolaires et étaient étudiées aujourd'hui lors du Conseil départemental de l'éducation nationale qui avait lieu en préfecture. Si les effectifs sont les indicateurs de maintien ou non des postes d'enseignants, les habitants y voient la suppression d'un service vital dans les campagnes, déjà de moins en moins attractif selon eux. Justine Brasier et Fabrice Olivero étaient ce matin à Essois et à Bercenay-en-Othe où des mobilisations étaient organisées. Regardez. Des postes d'enseignants supprimés et des classes en moins. La nouvelle carte scolaire établie par l'Éducation nationale en fonction des effectifs d'élèves pressentis à la rentrée prochaine déçoit et inquiète élus et parents d'élèves en milieu rural. Dans le secteur d'Essois, sur 6 villages, une centaine d'élèves ne suffit plus pour maintenir 6 postes d'enseignants. On m'a appris juste un petit peu avant les vacances qu'ils souhaitaient fermer une classe donc à l'école d'Essois. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle, on a réussi à l'éviter jusque-là, donc on aimerait bien continuer à éviter cette fermeture. Surprise, oui et non, on en avait déjà entendu parler l'an dernier, mais nous on est encore plus de 100 élèves, on espérait bien ne pas fermer de classe, surtout qu'on ouvre un groupe scolaire à la rentrée de septembre, avec des classes toutes neuves et tout, et on souhaiterait, puis pour le bien des enfants, on souhaiterait aussi des petites classes. Même constat à Bercenay-en-Othe, où les parents d'élèves et élus étaient aussi mobilisés ce matin. À la rentrée, il resterait 4 classes de 27 élèves, des conditions de travail plus difficiles selon les représentants des parents. Dans une classe, il peut y avoir plusieurs niveaux. Sur un niveau, l'écart entre deux enfants, c'est énorme. On a déjà 2 niveaux et avoir un troisième niveau, bah, on va perdre des enfants quoi, sur le chemin. Hein. C'est pas possible de les laisser apprendre dans ces conditions-là. On a déjà eu une fermeture il y a 2 ans. Si on continue, bah, dans 5 ans, il n'y a plus d'école. Quoi. On a envie de garder nos villages, on a envie de garder nos enfants à proximité et dans des bonnes conditions. Pour les élus, c'est aussi un coup dur pour le dynamisme et l'attractivité des villages. On pense de façon trop citadine. Tout n'est pas mis en œuvre pour accueillir des populations avec des enfants dans nos campagnes. J'espère que l'inspection académique va sursoir à sa décision et qu'une autre réflexion se fasse, pas en termes d'effectifs, mais en termes de scolarité dans le milieu rural et de ne pas perdre ces classes qui nous sont chères. Je crois à la rentrée, il devrait y avoir 109 enfants. Donc on aurait pu penser que, même si c'est un peu limite, on le reconnaît, on aurait pu soutenir un peu plus la ruralité en laissant un poste d'enseignant supplémentaire ici. Une fois de plus, c'est la déception, ça participe à la désertification des campagnes et je pense que ça n'aide pas les jeunes parents à venir s'installer dans nos régions un peu reculées par rapport à la ville.